124, Monsieur Viala. Oui, c'est un amendement concernant donc la collecte du lait dans les zones de montagne. C'est un amendement dont nous avons discuté longuement en commission et qui consiste donc à alléger les charges sur l'opération de collecte du lait dès lors qu'elles se font en zone de montagne pour justement compenser les surcoûts qui s'appliquent in fine aux producteurs de ces zones de montagne, alors qu'ils ont déjà des difficultés à la fois conjoncturelles, je ne vais pas m'étendre là-dessus pour le moment, et aussi structurelles liées aux lieux géographiques où sont implantées leurs exploitations. Merci. Monsieur le Président Accoyer a la parole pour le 285, est identique. Merci, Monsieur le Président. Oui, cet amendement vise à sauvegarder, ou en tout cas à essayer de sauver, l'agriculture de montagne. L'agriculture de montagne est une agriculture difficile, qui d'ailleurs est considérée comme devant affronter des handicaps naturels. Et parmi ces handicaps, il y a évidemment les reliefs, les kilomètres, la taille des exploitations, la production en volume de lait qui est modeste, en conséquence de quoi, oui, ça peut aussi monter, Monsieur le Président, et en conséquence de quoi cette agriculture est particulièrement frappée par la crise laitière, la crise de l'élevage, et la déprise laitière est un problème que d'autres, sur tous les bancs de cet hémicycle, connaissent et vivent très douloureusement. Or, l'agriculture de montagne, non seulement elle a un rôle économique, elle a un rôle social, évidemment, et puis elle a un rôle environnemental. Tout ceci converge vers la nécessité d'une solidarité nationale pour favoriser le maintien et l'avenir. Et donc, cette exonération de charges permettrait d'avoir un petit peu d'oxygène pour ce secteur qui est dans une crise extrêmement difficile. Amendement identique, le 350. Madame Orliac, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, en effet, cet amendement aussi vise à réduire les surcoûts de collecte afin d'assurer l'accès au marché aux producteurs d'aides montagne. En fait, la collecte dans les zones difficiles, c'est un enjeu majeur au regard de la fin, particulièrement de la fin récente des quotas. Et c'était la dernière étape de la dérégulation du marché laitier, d'où l'importance de cet amendement. Merci. Le 429, Madame Laclay, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bon, c'est un amendement, même si l'exposé des motifs est rédigé différemment, qui est le même que ceux qui est présenté par mes collègues. Moi, je vais être brève. On a débattu longuement il y a 2 semaines des contraintes et des handicaps des zones de montagne. Quand on collecte du lait en zone de montagne, on est obligé d'utiliser des camions qui sont plus petits pour pouvoir aller jusqu'aux zones des vallées les plus reculées. On est obligé d'utiliser du matériel qui peut rouler sur la neige. On collecte plus difficilement parce que les exploitations sont parfois très éloignées les unes des autres. Et donc le temps pour le chauffeur est souvent beaucoup plus long. Et donc il s'agit ici de prendre en considération ces difficultés en soulignant que l'agriculture de montagne, c'est une agriculture souvent de qualité dont tout le monde peut bénéficier et apprécie les produits, mais c'est aussi une agriculture qui permet de conserver nos paysages et qui permet de conserver une activité qui est le principal pourvoyeur d'emploi dans nos zones de montagne. Alors, bien sûr, j'entends ce qui pourrait être dit par les uns ou par les autres et j'y suis extrêmement sensible, mais je voudrais souligner un point qui me semble aussi important. On pourrait préférer d'ailleurs sans doute une aide à l'investissement pour pouvoir être dans quelque chose de plus pérenne. Mais les refontes des budgets de France AgriMer ont en fait supprimé la ligne dédiée à l'aide pour l'amélioration de la valorisation du lait en zone de montagne, début 2015, que ce soit pour le volet investissement ou pour le volet appui technique. On peut le regretter. J'avais eu l'occasion de l'écrire avec ma collègue Annie Genevard dans le rapport qui a été rendu au Premier ministre. Ce fait de 2015 vient encore complexifier les choses. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons déposé, un certain nombre de collègues de montagne, des amendements aussi bien au PLFSS qu'au PLF, afin de prendre en considération l'intérêt de cette agriculture, l'intérêt de produire, de continuer de produire. Et quand on regarde la différence des coûts, elle est véritablement réelle entre la plaine et la montagne pour les raisons que j'ai évoquées. Je vous remercie. Merci. Donc, sur cette série d'amendements identiques, Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président. Merci. Je suis aussi sensible que Monsieur Tian pour les zones de montagne. Voilà. Non pas, peut-être contrairement à vous qui êtes directement concerné par la montagne dans votre circonscription, mais pour moi par mes attaches familiales. Et je sais notamment que la production laitière, un petit peu plus au-dessus, la production laitière de montagne est d'une qualité telle que la valeur ajoutée par la production fromagère de montagne est reconnue par le consommateur qui souvent accepte de payer plus cher des produits ainsi produits. Bon, le problème c'est que, petite réponse à M. Sancy au passage, lorsque je réponds sur des problèmes d'incohérence, sur des mauvaises accroches de tel amendement, sur tel article de tel code, ou bien en disant que l'amendement risque de se retourner contre l'intérêt de celui vers qui il est censé être adressé, il ne s'agit pas de réponse administrative. Je pensais que vous alliez employer un autre mot, celui d'argutie juridique, pour un petit peu reproduire les propos d'un des candidats qui peut être le vôtre. Mais concernant la production de la montagne, moi je comprends que c'est un amendement d'appel que vous faites, puisqu'il propose d'exonérer de manière très large totalement de cotisations sociales et rémunérations versées, quel que soit leur montant, aux salariés embauchés pour la collecte de lait en montagne. Alors sans méconnaître, et Madame Laclé les a très bien décrites, les difficultés spécifiques à ces activités, il apparaît compliqué de leur aménager un régime aussi dérogatoire dont les conditions ne sont pas précisées et dont le coût est inconnu. De plus, l'exonération se cumulerait avec les autres dispositions en vigueur, notamment l'allègement général. Donc, moi, ce que je pense, c'est que ce signe d'appel mérite d'être retenu, mais je pense aussi que le dispositif que vous proposez mérite d'être retravaillé et peut-être reproposé au cours des années qui viennent. Pour l'actualité, je propose de le repousser. Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez la parole. Oui, Monsieur Accoyer, vous nous proposez de donner de l'oxygène à la montagne. J'ai relevé ça dans vos propos. Ceci pour le clin d'œil. Enfin, je pense très honnêtement qu'on n'a pas le bon outil. Il y a une vraie problématique qui a été décrite, que personne ne conteste, avec d'une part des handicaps, d'autre part des atouts en termes de filière, de qualité et de valeur des produits. C'est Gérard Bapt qui le soulevait. Mais honnêtement, comment rendre applicable un amendement de cette nature? C'est-à-dire, comment être sûr, savoir que le camion ou le personnel qui peut être... Non, mais écoutez... Bon, écoutez, le gouvernement est défavorable à cet amendement parce que je ne vois pas nos fonctionnaires aller vérifier que le personnel qui bénéficierait de l'exonération fiscale est affecté à la desserte d'une zone de montagne. La qualification de la zone de montagne est d'ailleurs quelque chose d'assez complexe, même si ça renvoie à des décrets qui ne sont pas... Non, mais enfin, écoutez, je crois que ce n'est pas le bon outil. Nos fonctionnaires vérifier, s'assurer, ne pas oublier d'ailleurs que des personnels soient bien affectés à la collecte purement et uniquement en zone de montagne. Enfin, je crois qu'on est vraiment avec là un outil d'exonération sociale qui n'est pas adapté. C'est le point de vue du gouvernement. Merci. Alors plusieurs orateurs, je leur demanderai d'être relativement rapides. Monsieur Viala. Ah non, je vais prendre mon temps, Monsieur le Président, parce que là, je tombe du banc. Entendre le ministre nous dire que les zones de montagne ne sont pas identifiables en France, alors qu'on vient de passer 15 jours ici dans cet hémicycle sur la loi montagne et qu'il faudrait embaucher des fonctionnaires pour aller savoir où est la montagne en France, je crois qu'on rêve. Ce que nous voulons dire ici, c'est que l'agriculture, a fortiori en zone défavorisée, a besoin de mesures compensatoires au surcoût qu'engendre le fait d'être en zone défavorisée. J'ajoute, puisque j'ai la parole, que cet amendement est repoussé pour des raisons absolument fallacieuses et que, dans le même cas, au PLF, nous venons de déposer un amendement sur l'ICHN que vous êtes en train de fiscaliser. J'ai déposé un amendement sur l'ICHN que vous êtes en train de fiscaliser, qui a été repoussé au motif que c'est un cavalier législatif. J'entends donc, de manière très claire, qu'après les débats que nous avons eus ici et dont nous avons essayé de faire en sorte qu'ils soient consensuels sur la loi montagne, il est considéré par le gouvernement aujourd'hui que le handicap naturel de l'agriculture, qui souffre par ailleurs de manière conjoncturelle et d'une manière affreuse qui la met en péril dans beaucoup de productions, n'est pas prise en compte. Voilà. Merci. Je vais donner la parole à M. le ministre, mais auparavant, j'indique à l'Assemblée que je suis saisi sur ces amendements par le groupe Les Républicains d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Non, je voudrais simplement dire que M. Viala reprend des propos que je n'ai pas prononcés. Le compte-rendu en fort à foi et le gouvernement vous demande une suspension de séance de 10 minutes. Nous suspendons nos travaux et nous les reprendrons à 22. La séance est levée.